Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pouvoir de Fatalis. Alors son pouvoir, c'est de s'asseoir sur un trône et ne rien faire, voilà, regarder les choses passer. Donc voilà, il n'a pas réellement un pouvoir, et c'est plus une émote qu'un pouvoir, mais bon voilà. Alors cette émote s'appelle Craignez Fatalis. Donc à mon avis, le pouvoir en réalité, c'est quand il est assis sur son trône, et ben les autres personnes deviennent craignantes. Lol. Enfin bref, pour débloquer cette émote, vous allez devoir atteindre le palier 74 du pass de combat pour pouvoir débloquer les défis de l'éveil du docteur Fatalis. Alors dans ces défis, vous allez devoir réaliser 3 défis que je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Alors le premier défi sera de visiter la statue du docteur Fatalis en tant que docteur Fatalis. Alors bien entendu, pour réaliser ce défi, il faudra vous équiper du skin Fatalis. Moi par contre, je ne l'ai pas encore débloqué, mais je vais quand même vous montrer ce que vous devez faire si vous l'avez déjà débloqué. Alors le défi est très simple, ce que vous devez faire, c'est de vous rendre au fief de Fatalis. En plein milieu de la map, il y a une grosse statue de Fatalis. Donc là, vous vous placez juste devant ou juste à côté et logiquement, le défi sera terminé. Donc voilà, rien de plus compliqué. Le deuxième défi est de visiter un trône géant en tant que docteur Fatalis. Alors bien entendu, vous devez vous équiper du skin docteur Fatalis pour réaliser ce défi. Ensuite, rendez-vous à droite de Retairo. Comme vous le voyez dans le gameplay, il y a un gros trône en pierre et en bois. Donc vous devez juste vous placer sur le siège, donc hein, devant les 3 arbres, comme dans le gameplay, et vous aurez terminé le défi. Et le troisième et dernier défi est d'utiliser une émote en tant que docteur Fatalis pendant une victoire royale. Alors bien entendu, il vous faudra le skin docteur Fatalis pour réaliser ce défi. Et ensuite, vous allez devoir faire un top 1. Mais attention, parce que dès que vous faites un top 1, vous devez absolument faire une émote pour réaliser ce défi. Alors, l'émote que vous allez faire, ce sera la victoire von Fatalis. Donc, ne vous tracassez pas, ce sera la seule émote que vous aurez disponible dans toutes les émotes. Donc, dès que vous faites votre top 1, vous faites directement l'émote. Et là, vous débloquerez l'émote spéciale du docteur Fatalis. Et vous pourrez l'utiliser dans toutes les games, mais uniquement avec le skin docteur Fatalis. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de l'éveil du docteur Fatalis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolo Mike et ciao. Peace.